même encore qu'elle est toute jeune. Là. On est bien d'avis qu'elle est là. Je vous remercie. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le centenaire du Cercle Saint-Louis.
centenaire qui était particulièrement à cœur au Chétiri. Il faut savoir que le Cercle Saint-Louis, depuis sa création, a subi beaucoup de vicissitudes, des hauts, des bas. Il était à un moment donné plus de 60 musiciens. Nous sommes actuellement beaucoup moins nombreux, mais bon, le Cercle, malgré tout, il a subsisté. Il est toujours vivant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui son centenaire. En prenant sa suite, le comité avait décidé donc de tout faire pour que cette célébration puisse avoir lieu. Après plusieurs réunions, nous avons décidé de la date du 3 août. Le comité a confié à M. Sylvain Barizon, le plus jeune musicien du monde actif actuellement, le souhait de préparer l'exposition de cet après-midi. Comme vous pouvez voir, tout est en place. Il a aussi réalisé une petite brochure qui relate l'histoire de la fanfare. M. Coignard et moi-même avons mis notre temps libre pour en faire une beauté à la salle. Tous les membres actifs ont participé d'une manière ou d'une autre à la mise au point de cette vidéo. Je remercie aussi chaleureusement tous les anciens musiciens qui sont venus apporter leur soutien et leur cœur à l'ensemble de la musique, ainsi que les musiciens qui sont venus de l'extérieur pour nous renforcer. Je tiens aussi à associer à cette manifestation tous les membres anciens, jeunes ou moins jeunes, qui ont répondu présent, qui n'ont pas pu jouer pour des raisons de pièce. Je remercie aussi la municipalité pour toute l'aide qu'elle nous a accordée et son soutien moral dont nous avons grand besoin. Après ce petit discours, je ferai quand même un petit bémol pour regretter de ne pas avoir remis des jeunes musiciens pour venir nous renforcer. Maintenant, je donne la parole à M. le Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous pour fêter un anniversaire peu courant, surtout parlant d'une association dont la durée de vie dépend de l'engagement de nombreux bénévoles. 100 ans d'existence pour le Cercle Saint-Louis, c'est plus qu'une vie humaine, à de rares exceptions près. Notre commune d'Algrange a cette particularité de compter dans sa population des femmes et des hommes dévoués et passionnés qui ont œuvré sans relâche à faire vivre leurs associations, et ce, quel que soit le rôle qu'elles jouent dans la vie municipale. Algrange a aussi la particularité d'avoir vu naître deux associations il y a un siècle, en 1909. En effet, j'ai l'honneur de m'exprimer comme ici, devant un parterre de personnalités pour commémorer les 100 ans de l'école ménagère Saint-Vincent-de-Paul, c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque, devenu aujourd'hui un lycée professionnel dont les formations dispensées attirent de nombreux jeunes venant de toutes les régions de France. Comme il était fréquent au siècle dernier, l'Église catholique s'impliquait dans de nombreuses activités. La vie sociale était investie pour offrir des formations, l'école des sœurs en était la preuve, la vie culturelle et sportive également, le Cercle Saint-Louis en témoigne, mais aussi la santé. Certaines personnes doivent se souvenir de l'implication des sœurs dans les hôpitaux. C'est donc ainsi que s'est créé le Cercle Saint-Louis en 1909, sous l'égide du Saint-Patron Louis de Gonzague, moine jésuite décédé à l'âge de 23 ans en soignant des lépreux. Cette association était destinée aux jeunes catholiques pour leur permettre de pratiquer la musique et le sport. Pour les natifs d'Algrange, en tout cas de ma génération, le Cercle Saint-Louis fait partie de notre mémoire collective. Nous avons toujours connu cette patrie fanfare, faire résonner trompettes et cors et tambours dans les rues de notre cité. Pour quelques-uns, dans leurs souvenirs sont inscrits les leçons de gymnastique que nous prenions dans cette salle. C'est l'occasion pour moi de rappeler le rôle et l'application d'une figure du Cercle. Je veux parler de M. Franz Nicolas, que beaucoup connaissent sous le surnom de Nathan. En effet, il a consacré plus de 44 ans de sa vie au Cercle Saint-Louis. C'est considérable et surtout extrêmement rare de nos jours. Bien entendu, à travers sa mémoire, nous voulons honorer toutes celles et ceux qui l'ont accompagné dans cette période pour que vive le Cercle qui comptait, alors là j'ai une différence avec vous, mon cher président, 80 musiciens, c'est le chiffre qu'on m'a donné, hein. Ça dépend des années, voilà. Portant les couleurs de l'association à travers les défilés de toute la région.
Nous pouvons dire que le Cercle Saint-Louis a fait connaître la ville d'Algorge bien au-delà du canton. Cet aspect seul suffirait à la municipalité pour témoigner de sa gratitude, mais ce n'est qu'un des éléments de l'application locale du Cercle. Nous pouvons dire que le Cercle, à cet instant, je voudrais insister sur la reconnaissance et le respect que vous témoigne l'ensemble du Conseil municipal. C'est l'occasion pour moi de vous dire, avec solennité, combien les élus apprécient votre attachement à votre ville, combien ils apprécient votre dévouement à les accompagner dans toutes les cérémonies officielles. Que serait Algorge sans votre présence? Je ne donnerai qu'un seul exemple, mais qui illustre parfaitement mes propos. Le dernier défilé du 14 juillet, sous des trompes d'eau. Et pourtant, vous étiez là, bravant la pluie, pour faire vivre cet événement historique. Voilà le Cercle Saint-Louis, toujours présent lorsque la municipalité le sollicite. Avant de conclure, je veux à mon tour rappeler à notre mémoire les disparus du Cercle, et bien sûr, vous l'avez cité, M. Thierry, qui a présidé aux destinées du Cercle Saint-Louis pendant plusieurs décennies. Si cette association est encore présente, c'est à des personnes comme M. Thierry que nous la devons. Je sais que la succession n'est jamais facile, pourtant, le président actuel a repris le flambeau et je ne doute pas de son dévouement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai effectué un mandat d'adjoint de 1995 à 2001 et me voilà maire depuis mars 2008. Et toujours, j'ai su que la municipalité pouvait compter sur le Cercle Saint-Louis. Monsieur le Président, comme la reconnaissance est une chose, l'aide en est une autre. Sachez que vous trouverez auprès du maire, de Madame Carmen Noiret, chargée de la vie associative de notre commune, mais aussi auprès de l'ensemble des élus, des oreilles qui sauront vous écouter et surtout vous soutenir dans vos initiatives et répondre à vos besoins. À l'occasion de cet anniversaire, le commun des 100 ans du Cercle Saint-Louis, je voudrais conclure par ces paroles simples mais sincères. Merci à vous tous d'être présents à nos côtés dans tous les aspects de la vie officielle et culturelle de la ville d'Algorge. Après ce premier siècle, que souhaiter d'autre sinon encore une très longue vie au Cercle Saint-Louis. Merci à tous. Par M. Livio Grisato, hein, président, c'est normal, pour sa fidélité à l'occasion du centenaire de la batterie Profa. La ville d'Algorge est heureuse de vous offrir ce petit objet qui vous rappellera cette manifestation du centenaire du Cercle Saint-Louis. Voilà, félicitations à vous. Merci.
Je vous invite tous à voir la.